ouvre les news de ce soir avec du basketball. Konaté et Doumbia, meilleurs de la phase aller. On connaît les deux meilleurs de la première phase du championnat national de basketball N1 avec une moyenne de 20,17 points, 6 rebonds et 3,67 assists par match. Le sociétaire de l'ABC, à savoir Stéphane Konaté, s'est adjugé le titre de MVP en N1 chez les hommes. Halima Doumbia de la SOA s'est distinguée chez les dames avec une moyenne de 19,89 points, 3,78 rebonds et 5,44 assists par match. Avec ces différentes distinctions, les deux MVP de la manche aller sont bien lancés dans la course des meilleurs athlètes de la saison. On poursuit avec du handball. On s'active pour la finale de la Supercoupe 2022. La Fédération ivoirienne de handball est à pied d'œuvre pour les préparatifs de la Supercoupe 2022 prévue le samedi 2 avril à la salle polyvalente du Palais des Sports de Trècheville. À cet effet, le comité d'organisation a tenu une réunion technique récemment pour s'assurer que tout est fin prêt pour ce rendez-vous. Deux finales meubleront cette journée. Chez les hommes, le Red Star, champion en titre, s'appliquera avec la Renaissance Don Bosco, détentrice de la Coupe nationale 2021. Chez les dames, le Bandama Handball Club de Tiassalé, vainqueur de la Supercoupe 2021, sera opposé à Habitat Handball Club d'Abobo, championne de la saison écoulée. En rugby, les filles, des filles initiées au métier d'entraîneur. Une vingtaine de jeunes filles ont été formées du 26 au 27 mars dernier au métier d'entraîneur de rugby. À l'initiative de Rugby Afrique, ces dames passionnées de cette discipline ont beaucoup appris du trainer Sagou, de l'activator Eva et du master trainer Charles Yapo. Ce stage a essentiellement été axé sur le programme Rugby Ready Activate, destiné à entraîner les enfants. Et on peut le dire, pour une première, ce fut une satisfaction totale du côté de la fédération qui a promis multiplier ce genre de rendez-vous pour intéresser davantage la population à adouber le rugby. Et puis, en football, d'abord un mot de Ligue 2, le COW Limoges, son entraîneur. À peine la phase aller du championnat de Ligue 2 terminée que des coachs sont remerciés. C'est le cas du désormais ex-entraîneur du COW Sport de San Pedro, Oulaï Guy Arsène, qui a été remercié par ses anciens dirigeants alors qu'il a permis à l'équipe de la ville balnéaire de terminer deuxième à 7 points de retard du leader OFC Adiaké. En 11 matchs, Oulaï a enregistré 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Il est désormais au chômage en espérant rebondir ailleurs. Les éléphants, opération séduction pour Karamoko et Dembélé. Deux binationaux sont passés saluer les éléphants à leur hôtel en Angleterre. Il s'agit respectivement de Karamoko Dembélé, du sociétaire du Celtic Glasgow en Écosse, et de Sidiki Dembélé, joueur de Bournemouth en Angleterre. Le sélectionneur Patrice Baumel et la présidente du comité de normalisation, Madame Dao Gabala, ont profité de cette occasion pour inciter les deux jeunes à rejoindre la sélection nationale ivoirienne pour la suite de leur carrière internationale. Espérons que ces binationaux acceptent de porter la tunique orange à l'avenir. Et enfin, Port-Boué s'offre un tournoi de Pâques. En plus des œufs, la commune de Port-Boué célébrera la fête de Pâques autour d'un tournoi de football. C'est une idée de la jeunesse de la commune qui a initié le FIRST, le nom du tournoi qui réunira 6 équipes au terrain du bloc célibataire et dont le lancement s'est déroulé le 20 mars dernier au cours d'une conférence de presse. L'objectif de cette compétition amicale qui s'ouvre le 16 avril 2022 est de célébrer la fête de Pâques et de permettre des échanges entre jeunes des différents quartiers de Port-Boué. Ce tournoi masculin sera précédé d'un match de gala réservé aux dames. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien, je vous propose d'aller tout de suite retrouver la team de ce soir. 3 hommes pour m'accompagner. Suivez-moi.